Nous sommes avec Guillaume Moreau. Guillaume Moreau, vous êtes donc un sportif de haut niveau et vous faites de l'escalade de vitesse. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette discipline sportive ? Ouais, bah enchanté, Guillaume Moreau. Donc l'escalade de vitesse, c'est une discipline qui se pratique sur un mur de 15 mètres avec une voie homologuée qui est partout pareil dans le monde. Donc on la gravit des milliers de fois et donc on s'entraîne à répéter cette voie pour aller le plus vite possible en compétition. Comment est-ce qu'on se prépare justement à cette discipline sportive ? Eh ben, c'est beaucoup d'entraînement physique, donc on fait beaucoup de musculation et de la répétition de cette voie, du travail technique, parce qu'il y a beaucoup de gestes techniques à apprendre et à perfectionner. La discipline est entrée au JO pour la première fois en 2020, donc elle sera présente en 2024. Votre objectif, c'est justement de participer à ces JO 2024. Alors ouais, elle est rentrée à Tokyo. C'était sous format combiné des trois disciplines qu'il y a en escalade de compétition, donc le bloc, la difficulté et la vitesse. Et pour Paris, ce sera la vitesse qui sera toute seule et il garde le combiné bloc-difficulté. Et donc ouais, c'est un objectif pour moi d'aller me qualifier et d'aller décrocher une médaille là-bas. Et aujourd'hui, vous allez justement présenter un petit peu votre discipline qui n'est pas encore très valorisée, notamment aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous allez faire justement ? Qu'est-ce que vous allez montrer aux personnes qui sont présentes aujourd'hui ? En fait, c'est ouais, une discipline assez peu connue, mais les gens qui connaissent sont beaucoup impressionnés. Donc je pense qu'il y aura pas mal de questions, les gens sont curieux. Donc c'est, ouais, l'objectif aussi, c'est de présenter cette discipline, de la mettre en avant. Et voilà, de raconter mon histoire, mon expérience. Et si vous participez aujourd'hui au Trophée Sport Passion, c'est également pour être initié au golf et échanger avec différents sportifs et sportives. Pourquoi vous avez répondu présent justement à cet événement ? Est-ce que les échanges entre sportifs est essentiel dans ce domaine ? Oui, j'ai pu faire pas mal d'échanges avec des sportifs et c'est quelque chose que j'aime bien, de comprendre, de savoir comment bah, ils atteignent le haut niveau, donc de s'inspirer de ces grands sportifs. Et c'est aussi l'occasion de découvrir un nouveau sport que je pratique pas et que je connais. Je sais que c'est assez technique et que ça demande de la perfection, un peu comme dans ma discipline. Donc très intéressé de découvrir aussi le golf. C'était ma prochaine question justement. À part la perfection, est-ce qu'il y a d'autres compétences demandées sur le golf qu'on retrouve dans votre discipline ? Alors je connais très peu le golf, mais oui, je pense qu'il y a une grosse part de mental qu'on retrouve dans ma discipline. Alors nous, c'est une compétition avec des duels. Il y en a peut-être un peu moins de confrontations en direct, en instantané, mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes et je sais que beaucoup de sportifs de haut niveau se tournent vers le golf après, donc à voir. Je ne suis pas un sportif aguerri, pour moi l'escalade de vitesse, donc ça veut dire qu'il faut monter le plus vite possible, grimper plutôt le plus vite possible. Quel est aujourd'hui votre record ? Alors mon record en compétition c'est 5,49, je suis descendu en dessous à l'entraînement, mais nous on garde nos records en compétition officielle, de manière officielle on va dire. Et le record du monde chez les hommes c'est descendu à 4 secondes 90. 5 secondes c'est déjà un très bon score, c'est ce que je ne ferai jamais. Merci beaucoup Guillaume Moreau d'avoir été avec nous sur Sensation et on vous souhaite une excellente journée. Merci.